Bonjour, 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 bonjour à tous. Jeudi 30 avril, comment vont Elodie, Max et sa chérie? Vous le savez, je vous l'ai promis, aujourd'hui on a double ration de burpees et une séance placée sous le couvert de votre inspiration. Je vous remercie pour vos remarques. Aujourd'hui, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, ceux qui vont se plaindre, eh bien, il faudra voir avec Max, sa chérie et Elodie. Attention, Max n'a pas deux chéries, il a une chérie. Et puis après, il y a Elodie, c'est une autre personne. Donc, ça fait trois personnes, mais je ne connais pas le prénom de la chérie de Max. Il a juste dit Max et ma chérie. Ok, aujourd'hui, séance très particulière car elle est placée, ou du moins elle est inspirée by Morgan Bouchy's Inspiration. Vous savez qu'on s'entraîne dans notre coin, tous les quatre, Yann, Guillaume, Morgan et moi. Et il nous a donné des devoirs à faire hier pour aujourd'hui, notre ami Morgan. Donc, je me suis fortement inspiré de certains des exercices que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, je les ai un peu adaptés parce que il est quand même un peu particulier, l'ami marseillais. Hein. Donc, tout n'était pas possible à réaliser entre nous, n'est-ce pas? Mais l'esprit Morgan est présent. Aujourd'hui, deux séances très intéressantes qui sont presque similaires, aussi bien en PPG qu'en PPS. Ben pour la PPG, vous respirez, la PPS, vous ne respirez pas, du moins ventilez, je vous le rappelle, car ce sont deux choses différentes. Mais pour le cours sur la ventilation et la respiration, il faudra venir à la mer avec moi, parce que là, maintenant que le déconfinement va bientôt avoir lieu, il serait peut-être temps de réserver vos stages d'apnée pour venir vous amuser avec nous. Parce que la salle de muscu, ça va un moment, mais ça brûle aux cuisses. Non? Bien, alors, on reprend un mode de fonctionnement un peu classique avec un premier WOD et un deuxième qui n'ont pas trop grande chose à voir les uns avec les autres. Hein, c'est un fonctionnement classique, un peu moins scabreux que ce que je vous fais faire depuis quelques semaines. Un WOD de préparation, mais qui est un WOD d'une intensité très particulière, et un WOD très ciblé. Alors attention, même si on a beaucoup travaillé sur la vitesse, sur les enchaînements et ainsi de suite ces derniers temps, aujourd'hui on va vous demander de travailler de façon très propre, des gestes lents qu'ils prenaient le temps pour enchaîner des passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau. La fille arrivait, tout le monde criait « Ah oui les gars !» Lent, bien posé, bien propre. Alors quand je dis lent, c'est qu'il y a des choses à enchaîner hein, sur les double scissor jump lunges by Morgan Bouchy's. Vaut mieux pas s'arrêter en l'air, sinon on tombe sur les genoux. Mais néanmoins, il va falloir faire des mouvements très propres. Donc je vous l'expliquerai dans chaque série explicative, dans chaque tuto. Les gens appellent ça des tutoriels. Ce sont pas vraiment des tutos que je vous fais. C'est plutôt on va appeler ça des tutos, d'accord, ok. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je remercie encore Elodie, Max et sa chérie de m'avoir fortement inspiré. Sachez que je voulais faire deux fois moins de burpees à la base, mais à cause d'eux, il y a double ration.